Nous remercions la télévision fantastique d'avoir bien voulu venir faire ce reportage. Parce que les régions que vous voyez là ne datent pas d'aujourd'hui. Ça s'est déclenché en 2012, alors que l'ancien Premier ministre Gizenga habitait ces quartiers. Cette érosion ici que vous voyez là a connu deux temps. Premier temps, c'était l'entreprise publique Office des routes. L'Office des routes a commencé par construire la route à partir de chez Gizenga, là, ou à plus ou moins 5 km, et a laissé les caniveaux ouverts sans canaliser les caniveaux vers la rivière Tchouenge ou bien vers Mokali. Voici la conséquence. Et que l'eau ne trouve pas là où y aller, alors commencer maintenant à dégrader l'état de la route, cette avenue d'utilité principale. C'est une route de desserte agricole, beaucoup de produits sortent par ici. Que ce soit le volaille, que ce soit le bétail, que ce soit au gouverneur, copie réservée au président de l'Assemblée provinciale. Voilà que le président de l'Assemblée provinciale a envoyé son conseiller technique, il y a papa ici. Il n'y a que la seule autorité, c'est le pasteur Godin-Poy qui nous a répondu. Bien que lui-même ne s'était pas pointé, mais son conseiller était arrivé ici. Nous travaillons avec nos maigres moyens depuis que ça a déclenché à partir de l'école Liloba. Avec des moyens limités, comme vous m'avez vu là, nous avons mis des barrières. Et c'est grâce à cette barrière que depuis septembre, cette érosion n'avance plus. Mais votre présence, en tant que communicologue et communicateur,